Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 7 clés du livre Mes prolongations de Bixente Lizarazu. Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses brièvement: qui je suis, qui est Bixente Lizarazu et enfin les 7 clés que j'ai retenues de la lecture de son livre. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dollet, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Bixente Lizarazu? Si tu es né, on va dire, avant 1990, tu as dû connaître la Coupe du Monde 98 remportée par l'équipe de France. Et donc, Bixente Lizarazu faisait partie de cette équipe. Né le 9 décembre 1969 à Saint-Jules-de-Luz, Bixente Lizarazu est un footballeur international français évoluant au poste d'arrière droit de la fin des années 1980 jusqu'au milieu des années 2000. Il a notamment joué aux Églantins d'Hendaye, aux Girondins de Bordeaux lorsqu'il était junior, puis aux Girondins de Bordeaux en tant que professionnel, l'Atlético Bilbao, le Bayern Munich, l'Olympique de Marseille et à nouveau au Bayern de Munich. 605 matchs en tant que dans les clubs, on va dire en Espagne, Allemagne et France, et 97 matchs avec l'équipe de France. Bixente Lizarazu est aussi connu maintenant aujourd'hui comme consultant sportif, notamment actuellement en 2018 sur RTL et sur TF1, comme commentateur pour les matchs de l'équipe de France notamment. Et Bixente Lizarazu a cette capacité, cette singularité, eh bien de pratiquer différents sports comme le surf, comme le jiu-jitsu brésilien. Et dans son ouvrage qu'il a écrit, ses prolongations un peu personnelles, il y a beaucoup de choses qui se relatent et des choses qui sont vraiment d'actualité sur le monde. C'est pour ça que ça m'intéressait de faire cette chronique aujourd'hui sur, eh bien, les 7 clés de son livre. On va maintenant passer à ces 7 clés, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier ou à partager la vidéo dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première clé que j'ai retenue de la lecture de ce livre, c'est le passage du temps dont fait état Bixente Lizarazu. Je crois d'ailleurs que son livre de mémoire commence par cette idée, eh bien que 20 ans sont déjà déroulés, puisque le livre est paru en 2018, et que 20 ans depuis 1998 se sont déjà déroulés, qui est pour lui vraiment quelque chose très très incroyable, que ce temps passe à une vitesse extraordinaire et que du coup, voilà, il est important, eh bien, de se focaliser encore une fois sur ce que l'on souhaite réaliser en sa vie plutôt que ce que l'on ne souhaite pas, parce que ça passe tellement vite que, eh bien, on peut très vite se retrouver à ne pas avoir vécu réellement ce que l'on souhaite. Deuxième clé que j'ai retenue de ma lecture de ce livre, c'est le duel du siècle. Il fait état de ce duel incroyable entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, expliquant notamment que Cristiano Ronaldo n'existerait pas sans Lionel Messi et que, inversement, Lionel Messi n'existerait pas comme Cristiano Ronaldo. Il explique notamment aussi que, eh bien voilà, l'ère de Pelé, l'ère de Zidane, l'ère de Platini sont des ères où en fait il n'y avait pas forcément, eh bien, une rivalité. Même Maradona par exemple, il n'y avait pas de rivalité telle que, ben, on pouvait avoir des duels à distance, et que, ben, ces duels à distance comme Ronaldo et Messi l'ont donné durant ce 21e siècle, ce 20e siècle, est absolument extraordinaire. Troisième clé que j'ai retenu, c'est le mot footballiste. Footballiste, en fait, c'est, eh bien, y a le mot journaliste et le mot football qui sont unis dans ce mot. Eh bien, c'est ce qu'a décidé de devenir Bixente Lizarazu, entre autres que de travailler sur des actions humanitaires pour préserver la planète, que c'est une cause qui tient particulièrement à cœur, ben, Bixente Lizarazu. Eh bien, ce mot footballiste, qui consiste, voilà, à être un commentateur du football, parce qu'aujourd'hui, ben, il en fait son métier, et c'est quelque chose que, ben, je n'ai pas cet angle de vue, ce prisme de la réalité sur, voilà, ce métier qui est pas simple du tout, par rapport justement, bien, à son passé, par rapport aussi à ses anciens collègues de l'équipe de France et ses anciens collègues avec qui il a pu jouer, et bien d'échanger encore, encore et encore.
Quatrième clé, mais qui marque vraiment Business Days Erasmus, que je voulais partager avec vous, qui m'a vraiment inspiré, c'est le mot fidélité. Fidélité puisque, eh bien, Business Days Erasmus, malgré le fait qu'il soit né dans le Pays Basque, eh bien, a découvert une histoire d'amour extraordinaire avec Munich et entre autres le club du Bayern de Munich, puisqu'il est aujourd'hui l'ambassadeur, l'un des ambassadeurs de ce club, le Bayern de Munich, et c'est ça qu'on aime en fait chez Business Days Erasmus, en tout cas que j'apprécie et que je trouve extraordinaire dans sa personnalité, c'est ce côté voilà de fidélité, cette capacité eh bien à prendre du recul par rapport à des situations et avoir des commentaires qui ont un angle pas émotionnel mais un angle assez objectif. En tout cas, il essaye de garder cette objectivité et aussi bah, cette valeur très terre à terre, mais on voit en fait cette éducation façonnée par qu'il a pu recevoir et aussi cette vie qu'il a conservée grâce en fait encore une fois à ces valeurs qu'il prône et se partage. Cinquième clé que je vais partager avec toi, c'était son utilisation des réseaux sociaux. Je crois que dans son livre, le titre de ce chapitre s'appelle les réseaux sociaux vraiment sociaux, dans le sens où en fait c'est complètement anachronique dans cette idée eh bien de avoir des réseaux qui sont sociaux pour sociabiliser, alors qu'en fait on fait tout sauf de sociabiliser. Il parle notamment aussi bah, de sa capacité à se déconnecter, à permettre bah, voilà, de vivre sans cette utilisation quotidienne, quelque chose que je prône cette chaîne YouTube encore une fois, l'utilisation modérée des outils, de se mettre souvent en mode d'émission et non de réception d'informations, parce qu'on est trop souvent aujourd'hui dans un monde dans lequel on va beaucoup réceptionner l'information chaque jour, notamment via les outils numériques, alors qu'on n'en aimait plus spécialement, on n'aimait plus forcément des pensées parce qu'on est trop conditionné par tout ce qu'on réceptionne. Et Business Days Erasmus a écrit un chapitre vraiment très intéressant et très riche pour nous éclairer sur sa vision actuelle et bien de la chose. Sixième clé que j'ai retenue à la lecture de ce livre, c'est les statistiques. On est rentré dans un monde où maintenant, eh bien, il y a une sorte de lobbying qui s'est créé avec l'utilisation de tout ce qui va être paris sportif et sur lequel on va uniquement se focaliser sur des statistiques. On va plus du tout considérer eh bien l'humeur des joueurs, l'émotion qu'ils peuvent avoir actuellement, considérer éventuellement eh bien voilà l'osmose qu'on peut ressentir sur un groupe, sur les entraînements qu'on va voir, sur les attitudes dans les vestiaires, les attitudes en dehors qu'on peut observer sur les clés. On va exclusivement eh bien se référer à des statistiques du passé et non plus sur actuellement comment le groupe se sent-il, quels que soient les résultats qu'il a, comment le groupe est-il managé par entraîneur et comment se fonctionne-t-il par rapport aux échanges qu'il va y avoir entre les différents membres et aussi les sorties médiatiques qui sont autour. Et donc du coup, toutes ces statistiques font qu'on va parier que sur des choses qui sont passées dans le passé, pas forcément considérant l'équipe, les émotions et ce qu'ils vivent. Enfin, septième et dernière clé eh bien, de ce livre que j'ai retenu, c'est l'amour du Pays Basque de Business Days Erasmus, un pays, je crois que beaucoup d'entre nous avons cette perception très très bienveillante bien du Pays Basque, un pays voilà où il y a vraiment un côté très terre à terre avec cet amour de la nature, ce côté vraiment beaucoup plus calme, un rythme de vie très agréable et voilà l'idéal sur lequel on pourrait tendre lorsqu'on vit en France pour aller au Pays Basque, notamment voilà je crois qu'il y a Biarritz, il y a Saint-Jean-de-Luz, du côté espagnol je connais un petit peu moins et voilà ce côté un petit peu Pays Basque, il nous le vend super bien, on a envie quasiment de déménager tout de suite lorsqu'on lit cet ouvrage-là et on voit surtout cet attachement, cet amour sincère que peut avoir Business Days Erasmus sur les choses qui construisent et qui font partie de sa vie. Il ne renie pas d'où il vient, il ne renie pas ses origines et au contraire, il en apprécie les contours et il les vit là-dedans. Vraiment, donc un livre que je recommande, comme tu as pu le comprendre, vivement, chaudement. Je te mettrai un lien juste en dessous dans la description si tu veux te le procurer pour que ce soit plus simple pour toi d'aller cliquer dès maintenant. Et puis juste avant qu'on se quitte, j'aimerais te poser cette question très simple. C'est quelle est la règle, quelle est la clé que tu retiens de cette vidéo, quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie et que dois-tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux. On parlait dans cette vidéo, juste pour faire un petit instant là-dessus, eh bien de trop réceptionner d'informations. Tu viens regarder cette vidéo, c'est très bien. Maintenant, je te propose d'émettre une pensée, d'émettre un commentaire, d'émettre une chose que tu as ressentie avec la réponse à l'une de ces questions ou à les aux trois questions si tu as envie de répondre à ces trois questions. Merci beaucoup pour ton attention. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à vite ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et le petit cadeau que je t'ai promis en début de cette vidéo, c'est la vidéo privée, les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Tu trouveras un lien, tu n'as plus qu'à suivre les différentes étapes. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.